Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Mohamed Salah au PSG. Mais avant de parler de Mohamed Salah qui est selon moi un excellent attaquant, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Mohamed Salah au PSG. Annoncé comme l'une des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, l'opération Mohamed Salah se concrétise. Après les pistes menant à Erling Haaland du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski du Bayern Munich et récemment Karim Adeyemi du RB Salzbourg, le Paris Saint-Germain pousse également en coulisses pour tenter de recruter Mohamed Salah dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé libre en fin de saison. Et d'après les dernières informations du média El Nacional, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG et les siens pourraient avoir une belle ouverture avec l'Égyptien de 29 ans lors du prochain mercato estival. Le journal espagnol explique que les dirigeants de Liverpool font le maximum afin de parvenir à un accord pour la prolongation de contrat de leur buteur. Toutefois, si aucune entente n'est trouvée d'ici la fin de la saison, les Reds ne prendront aucun risque de voir Mohamed Salah s'en aller gratuitement en 2023. L'ancien avant-centre de l'AS Roma pourrait donc être placé sur le marché l'été prochain si le PSG est bien en embuscade dans ce dossier. Leonardo est loin d'être le seul. D'après les informations de El Nacional, le PSG pourrait voir le FC Barcelone lui barrer la route pour Mohamed Salah. La source indique notamment que le nouvel entraîneur du club catalan, Xavi Hernandez, aurait clairement fait savoir à sa direction que si le Real Madrid accueille Mbappé l'été prochain, le Barça devra aussi faire l'effort de recruter une grosse star mondiale. Malgré une situation financière déjà compliquée, les Blaugrana auraient commencé à travailler en coulisses sur la piste Mohamed Salah. Arrivé en juillet 2017 contre une enveloppe de 42 millions d'euros en provenance de l'AS Roma, le double ballon d'or africain de 2017 et 2018 est évalué à 100 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le PSG est donc prévenu. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Mohamed Salah au PSG, c'est une bonne idée? Sur ce, n'hésite pas à liker, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.